Voilà, la famille, c'est incroyable comment le foot, il te déprime. Il n'y a que les vrais passionnés qui peuvent me comprendre. Voilà, c'est déprimant de fou malade. J'ai envie de voir personne, parler avec personne. Je veux aller au coiffeur, ma bite, je veux me faire une boule. Je veux voir personne, laissez-moi tranquille. Au Coran, laissez-moi tranquille. Faire une boule tout seul. Voilà. Hop là. On se range. Parce que là, je suis vraiment pas bien. Je ne sais pas à quel point, voilà. En plus, tout le monde m'appelle, tout le monde veut parler avec moi. Vas-y, laissez-moi, voilà, laissez-moi. Laissez-moi tranquille. La vie de ma mère, laissez-moi bien comme il faut. Laissez-moi. Là, j'ai besoin de, voilà, de tranquillité pendant longtemps. Encore, c'est un truc de ouf. Allez, hop, on bat les couilles. Boule à Z, nique sa grand-mère la pute. Oh là, ils sont là, ils méritent même pas tous les supporters de Paname. Vous avez vu le tifo de bâtard hier qu'ils ont fait? Voilà, c'est un tifo, frère, de fou malade qu'ils ont fait. Hein? Voilà, encourager. Mais ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. On est trop gentil, je crois. Voilà, on est trop gentil. Voilà, vide ma mère, je crois, on est trop gentil. Ils méritent rien. Voilà, ils méritent rien. Vide, pas de tifo, pas d'animation. Que des insultes. Voilà, ils méritent que des insultes. Jusqu'à qu'ils vont comprendre vraiment. Bon, après, c'est pas tous les joueurs non plus. Mais voilà, il y en a quelques-uns, ça y est, frère. Allez, ça y est. Ça y est. Là, c'est bon, je défends plus personne. Il n'y a plus de copains, je m'en bats les couilles. Voilà, et ça y est. Allez, hop, vous ne le respectez pas. Deux remontadas, comme des fils de pute. Deux, pas une, deux. Voilà, on s'est dit la première, c'est bon. Jamais ça va arriver. Et ma bite. Bon, là, vous savez pas comment j'ai le seum. J'ai envie de rentrer la tondeuse, rentrer dans le cerveau, là. Coran, c'est un peu bien. T'as vu dans les moments durs, comme dans les moments faibles, toujours ils ont été là, nos supporters. Voilà, on a toujours été là pour eux. Toujours, on peut pas dire le contraire. Voilà, on peut pas dire le contraire, je suis désolé. Mais est-ce qu'ils sont là pour nous dans les vrais trucs? Vas-y, c'est bon, ça nous fait kiffer, nous, gagner la Ligue 1, tout ça, prendre des trophées, ça nous fait kiffer. Mais en Ligue des Champions, avec l'équipe qu'on a, voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Surtout pas des erreurs comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est moche. C'est moche comme... comme la moustache que j'ai là. Voilà, c'est vraiment moche. Ce qu'ils nous ont fait comme ça, là. Ah, je vais avoir du mal à m'en remettre. Hein. Ah, je vous jure. Tout à l'heure, j'ai reçu un snap. Ouais, mais t'inquiète, le 17 mars, il y a Marseille. Voilà, je voulais rentrer, toquer à sa porte. Tu te fous de ma gueule, là? Ou c'est quoi le délire, là? Tu ma gueule là. Tellement je perds la tête, je me rase tout seul. Voilà, c'est un truc de fou. Tellement j'ai envie de voir personne. Voir personne et cette putain de gueule à m'énerver. Voilà. Voilà. En plus, la famille, tu sais, quand j'y pense, je pense à Laurent Blanc. Voilà, Laurent Blanc, frère. Là, ça fait 3 ans, on sort en 8e comme des petites salopes. Encore, on sort avec, les, tu vois, rage de vaincre. Non, on sort avec, toi, t'es KO, frère. Tu sors comme une petite salope. Une petite salope, même pas tu te bats, c'est ça le délire, c'est même pas tu te bats, même pas tu te donnes, hein. C'est un truc de fou ce qui nous arrive, la famille, la fille de ma mère, on a une de ses poisses. Oh, mais je sais pas si vous vous rendez compte, la poisse tellement elle est exceptionnelle. Par contre, la tête de ma mère, Kirer, c'est, je pourrais jamais le pardonner. Oh, il m'a tellement mis le sommet pendant 70 minutes, il m'a foutu un démon, voilà, comme pas possible, tout un match. Voilà, vous savez pas, il était dépassé le mec, voilà, pour moi c'est le maillon faible. Il a baisé le match, déjà d'une avec son but, ça passe décisif, et tout le reste du match. Et Tourelle, comment t'attends 70 minutes pour faire sortir. Fallait laisser Meunier, il a un peu d'expérience, il a, ben bon, on va pas revenir en arrière, on va pas dire c'est la faute de Tourelle. Hein, pour moi c'est pas de sa faute, moi j'aime bien Tourelle. Mais là il y a une petite erreur de sa part.
sur la gestion. Hier, rien n'était habituel. Hier, tout a été bizarre. Tout a été bizarre hier. Rien ne s'est passé comme prévu, rien ne s'est passé comme ils ont l'habitude de faire. J'arrivais plus à les reconnaître. Incroyable. Mais là, la famille, franchement, je rêve d'un truc. C'est que le Parc des Princes, il soit vide. La tête de ma mère, vide. Tu sais, vide, qu'ils comprennent le seum que t'as. T'as compris? Vide. Pas un chat. Un chat, pas un chat. Personne, vide. Comme ça, ils voient qu'on est enragé. Parce qu'ils sont milliardaires, millionnaires, ils s'en battent les couilles, limite. Voilà, c'est un truc de fou. Nous, ça nous touche, ça nous atteint un peu, personnellement. En tout cas, enfin, personnellement, moi, ouais. Et j'aimerais tellement voir vite comme ça, ils voient tout le monde, tu sais, tout le monde est pas bien. Ouais, ouais, les gars, bah ouais, c'est tout Paris, là, vous avez tapé la honte à tout Paname. On n'arrive plus à vous supporter, plus rien. On va attendre et après on verra, tu vois. C'est bon, là, ils vont commencer avec leurs excuses, etc. J'ai l'impression que ça va être répété, tout le monde c'est pareil, t'as compris. Voilà, c'est incroyable, la vie de ma mère. Regarde la tête de bitasse que j'ai avec ma... Sidaïque. J'ai même pas de mots. Possible. Après avoir vécu la première au Montada, limite, j'ai la première. Oh, t'as, y en a plusieurs. Oh, avant, on parlait que une remontada. La remontada, maintenant, et la remontada, quoi. La première, la deuxième. La honte. La honte, la honte, la honte. Une envie, c'est de me barrer en vacances. Sincèrement, je vais avoir du mal à digérer ce putain de match. Déjà la première remontada, j'ai eu du mal, alors celle-là, je vais avoir un petit peu de temps l'histoire de m'en remettre. C'est compréhensible, non? Je me sens seul. Pourquoi j'aime tant ce club comme ça? Des fois, je me dis, putain, tu te rends compte, arrête tout, on l'arrête. Il y a pire dans la vie, arrête-toi, Sabri. T'es un ouf, là. Tu fais du schlag. C'est incontrôlable, zinc. Tu vois ce que je veux dire? Et contrairement à beaucoup, moi, pas de l'âme, c'est vraiment depuis tout petit. Il y a vraiment que les gens de ma ville, de ma cité, de l'école primaire, du collège, tout cela, tu vois, qui peuvent savoir. Le reste des réseaux sociaux, ils peuvent pas comprendre ce délire. Tu vois? Avec l'effet de mode qu'il y a eu juste après, et les nouveaux, etc., etc., etc. Mais moi, c'est depuis tout petit, sa mère, que je l'ai, ça. Depuis tout petit, à chaque victoire, je suis content, et chaque défaite, bah, je suis pas bien. Et plus je grandis, plus là, c'est pire, c'est pas, je suis pas bien, c'est que je suis abattu, assommé, détruit. Voilà, et quand je suis avec mes sahabs, bah, tu sais, qui sont moins passionnés, tu vois, qui kiffent le foot, mais ils sont moins passionnés, ils sont moins dedans, tu vois. Et voilà, et... Si c'était baisé, frère, tu vois. Si, mais en vrai, c'est vous êtes baisé, frère. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir gagner ma vie grâce à ça, grâce aux réseaux sociaux. Tellement la passion, elle a pris le dessus. Et les réseaux sociaux, ils ont commencé à péter, tu vois. Et j'ai connu mon premier téléphone aussi. Qui faisait internet, appareil photo. À ce moment-là, après, les Qataris sont venus, pff, ça a pété. Donc d'un côté, c'est le mektoub, c'est le destin, merci parce que ça me fait vivre maintenant. Et d'un côté, je crois que je suis trop passionné, tu vois. Je prends de l'âge et tout, c'est pas bon. C'est le foot, voilà, je kiffe trop le foot, frère. C'est un truc de ouf, je kiffe trop Paname. Et on restera parisien, donc, tu vois ce que je veux dire. Et on sera là toute l'année, toute la vie. Toute la vie jusqu'à la mort, sa mère. On supporte Paname, on supporte pas un joueur ou une resta. On supporte Paname, notre ville, la capitale, zinc, l'écusson, nos couleurs. Trop de fierté, trop de principes, trop de valeurs. Vous pouvez pas comprendre. Mais là, franchement, j'ai une cassure. Oh là là. Je suis tellement frustré, déçu.
Franchement, c'est compliqué un petit peu, c'est compliqué. En fait, c'est une émotion inexplicable. Il n'y a que vraiment entre nous, Parisiens passionnés de fou, où je pense qu'on a la même blessure, tu vois, le même dégoût. Genre, ah ouais, putain, on a marre, tu vois. C'est quoi, viens, on attend le mois d'août. C'est limite, ils t'ont fait une fin de saison, tu vois ce que je veux dire? C'est dur, voilà, c'est dur. Vous savez pas comment c'est dur. Je suis comme ça, frère. Je suis perdu. Je suis perdu. Mais le seul truc, c'est que franchement, j'aimerais bien là le voir vide, le stade. Franchement, le voir vide. Quand je vous dis pas une personne dans le stade, limite à huis clos, tu vois, et qui sentent qu'on est on est au bout de notre vie, hein, qu'ils sentent. Voilà, faut qu'ils sentent le truc. Ou t'as vu leur argent? Vu qu'ils touchent beaucoup quand même, ces petits bâtards, ils touchent beaucoup. Et bah, qui payent l'abonnement à tous ceux qui remplissent le stade toute l'année. T'as vu là? Et bah, fin de saison, ils payent plus leur abonnement. Ça, c'est un vrai geste. Qu'ils fassent. Comme ça, tous ceux abonnés là, ils payent rien. Ils payent well ou rien. Et les trucs Jordan là, pire que chien, là, vêtements Michael Jordan. Disons, on lui a tapé la honte à ce basketteur mesquin, voilà. Donc, bradez-les les trucs. Voilà, bradez-les, donnez-les, faites plaisir aux supporters avec tout ce qu'on a vécu là. 3 ans de remontada en 3 ans. Et frère, on vaut bien ça. Hein. Rembourser les abonnements, et voilà. Pourquoi ça arrive à nous? Là, je comprends pas, moi. Là, je comprends pas. Nique sa grand-mère, y a pas de... Franchement, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Toute la journée, je pense qu'à ça. Je suis pas bien. C'est un truc de fou. Regarde, regarde, regarde ce que vous m'avez. Britney Spears, mon frère. Regarde-moi ça, ce que vous avez fait, Nara Chetan. Tellement, là, je suis hors de moi.